Salut à tous, donc ça va être très rapide. Pommes de terre, spunta, de garde, les petites, germées, que j'ai récoltées moi-même l'année dernière. Pommes de terre, spunta, nouvelle génétique, on mélange le tout. Voilà, c'est tout simple. Si tu veux des pommes de terre géantes comme je les cultive moi-même depuis des années, et que je le montre en vidéo, regarde. Une petite tranchée, à la pelle, à la pioche. Chaque année, tu vas décaler ce rang. Comme ça, tu vas enrichir considérablement ton sol. Et ensuite, tu obtiendras ce genre de choses. Ça, l'année dernière, on l'a fait. D'accord? Voilà. Donc moi, c'est un sol très, 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 très lourd. Argileux, rempli de cailloux. Donc voilà, hein. Voilà, il faut taper un peu, il faut sortir les cailloux. Ça colle, donc forcément, c'est très lourd, c'est pénible. Mais le petit secret, c'est que j'ai fait évoluer la technique par rapport à l'année dernière, c'est que là, on est le 15 mai. Voilà, je plante avec un mois et demi de décalage. Ce qui veut dire qu'elles vont germer encore plus tard. Je vais pouvoir les garder encore plus longtemps avant qu'elles se mettent à germer. Ensuite, bon là, grosso modo, hein, ça fait à peu près une main, quoi, hein, grosso modo. Et ensuite, c'est du foin, voilà, et du foin, là, tranquille. Je remplis à fond la caisse. Je mets une bonne couche de foin. Et on va venir poser la pomme de terre par-dessus, voilà. Bon, étape 2, une fois qu'on a fait un lit épais, hein, quand je dis épais, c'est épais, vous voyez. Ah, c'est un lit épais. On n'a pas envie d'aller chercher les pommes de terre tout au fond, hein, creuser à la pioche. Vous voyez, ça fait comme une petite goulotte, on rebouche. Que ce soit au niveau zéro, au niveau plancher, quoi. Comme ça, après, on vient rebuter par-dessus la pomme de terre. Voilà, c'est rapide. Permet d'avoir une réserve de nourriture en bas avec de l'eau. C'est pas un truc qu'on a envie d'arroser tous les jours d'ailleurs, hein. Et ça va vous permettre d'avoir un sol qui va être super travaillé, parce que tout ce qu'il y a à bouffer dedans, ben, c'est biodisponible instantanément pour tout ce qui va être vers de terre déjà pour commencer. Et surtout, c'est que vous allez avoir un lit fertile. Donc ce qui veut dire que la pomme de terre, pendant 2, 3, 4 mois qu'elle va rester là, on l'a mis un petit peu plus tard, on va la récolter un peu plus tard, elle va être un peu plus grosse, elle va profiter de plus de soleil. Parce que c'est sûr que si on l'avait planté il y a 2 mois en arrière, ben, ce serait comme toutes les autres, les petites pommes de terre comme ça là. Donc ça va partir du feu. Et ce lit, il va servir d'année en année, comme je vous ai dit, à agrandir vos parcelles fertiles. Ça fait déjà un petit travail, mais ça se fait en 20 minutes, quoi. Et c'est réglé, quoi. Voilà. Et je trouve que c'est un super truc pour la pomme de terre. Et je trouve que c'est un super truc une fois qu'on a récolté la pomme de terre. Parce que quand on va tout tirer, quand on va récolter la patate, eh bien, tout sol fertile va se mettre à monter. Parce que quand on fait de la pomme de terre, forcément on dérange les strates. Donc si vous le faites d'année en année, que vous circulez comme ça, même petit potager de 150-200 mètres carrés, vous faites une ligne comme ça, vous allez voir qu'à moins de 3-4 ans, vous avez fait une rotation et votre sol il est super, super fertile. On vous l'a montré avec la butte là, qu'on avait fait l'année dernière, on vous l'a montré avec la butte qu'on avait fait l'année d'avant. Donc voilà, ça c'est ma technique préférée, surtout pour faire des pommes de terre énormes. C'est les pommes de terre que je vais me régaler. Hein, les pommes de terre qui vont être grosses comme ça pour faire des frites énormes. On monte jusqu'à 2 kg l'individu, quoi. C'est absolument fabuleux. Et là, ben, en les faisant un peu plus tard, j'espère qu'elles vont être peut-être un peu plus grosses. Et j'espère surtout qu'on va pouvoir les garder jusqu'à maintenant. Parce que là, ça fait à peu près 2 mois qu'elles se sont mis à germer fort et qu'on ne peut plus les manger. Voilà. Voilà, c'est très très rapide et je vois certains venir à des kilomètres, on n'enterre pas la matière organique, etc. Donc avant de faire ce genre de remarques, comprenez que nous ne sommes pas en anaérobie là, hein, d'accord. Il y aura de l'oxygène, il n'y a pas de souci. On a fait la largeur d'une main, on a fait un nid de paille comme ça et là maintenant on va venir mettre le petit dôme par-dessus. Je n'aurai pas besoin de buter les pommes de terre. Donc il n'y a aucune incidence, on a ouvert ces buttes depuis l'année dernière et l'année d'avant. On a vu les évolutions qu'il y avait à l'intérieur et vous voyez qu'à la fin c'est du terreau. Donc cet argument n'est pas recevable. Ensuite vous avez vu également la taille des pommes de terre, vous avez vu aussi qu'il n'y a pas besoin d'entretien. Donc peut-être j'y passe 25 minutes ou même une heure pour la planter. Bon la ligne là elle fait en même temps elle fait 15 mètres, hein, donc c'est pas rien. Mais en attendant jusqu'à la récolte, eh bien, j'ai plus rien à faire, je regarde pousser. Je ne vais même pas avoir besoin forcément de la désherber parce que la patate étant forte, elle passera au travers. Donc ça ne me dérange même pas à la limite qu'il y ait de l'herbe dessus, je m'en fous.
voilà, quelques minutes plus tard, ils sont positionnés. Donc je prends deux écarts de main, hein, regardez. Tac et tac, donc ça fait, je sais pas, on va dire, il doit y avoir 40 cm à peu près entre chaque plan. On les double. Dans ce rang-là, il va y avoir une allée. Donc les germes en position à droite. Et ici, position droite, voire légèrement sur la butte, parce qu'elles vont venir récupérer la terre. Et donc là, ça va être de la folie. Donc j'ai plus qu'à recouvrir au râteau. Je prends ça, je le tire, je le remets par-dessus. Je fais une petite butte légère. Je vais mettre un petit paillis là, avec de la tonte fraîche. Par-dessus, je vais mettre de la paille, ou ce que j'ai, hein, ou du foin, quoi que ce soit. Et puis je laisse comme ça, j'ai plus à m'en occuper du tout. Voilà, ça ne demandera aucun arrosage. Alors, on va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc voilà, 13 mètres. Avec des grands pas. Ouais. Ils sont pas beaux ces petits plans là, regardez. Voilà. Ça sera suffisamment fort pour passer au travers. Et avoir une petite couche de terre de... Allez, on va dire 15-20 cm. Et la pomme de terre, elle aime la terre. On l'a déjà prouvé l'année dernière sur les différents essais qu'on a fait. Vous avez une playlist spéciale pomme de terre où vous pouvez retrouver tous nos essais. Voilà. Allez, je recouvre ça. Voilà, moi j'utilise beaucoup cette griffe là, c'est un outil ancien que j'ai monté sur un manche très costaud. Je récupère quoi et je me sers vraiment quasiment que de cet outil pour tout ce qui est tirage en fait. Dès que je tire, même pour sortir les patates, je m'occupe avec cette, cette petite fourche là. Donc c'est sûr que là, à la main, mais bon, c'est pas trop pénible. En tout et pour tout, on met un peu plus d'une heure. Ah, je viendrai finir au râteau. Hein. Là, je tire le plus gros. Alors vous voyez pas parce qu'il fait très beau, mais il a plu toute la journée, il pleut comme ça fait au moins un mois, donc la terre est très très lourde. Et c'est pas l'idéal en ce moment pour planter, repiquer, tout ce qu'on veut. On me dirait on se fait les cuisses hein, avec la boue qu'on traîne sous les baskets, on se fait de la circonférence de cuisses. Là. De mollets. Ouais. À la fin de la saison, on va ressembler à Marie-José Pérec. Marie-José Pérec, ouais. Voilà, cette étape maintenant est faite. Il n'y a plus qu'à lisser avec le râteau pour donner quelque chose d'uniforme
C'est la partie la plus rapide et la plus simple. Et voilà, l'affaire est dans le sac. Il n'y a plus qu'à attendre. Et dans 4 mois, peut-être même 5, eh ben on aura des pommes de terre énormes. Ça m'a demandé 2 heures, en tout et pour tout, en prenant mon temps. Enfin, un peu moins que 2 heures. Alors, on va dire une grosse heure et demie. Et là, c'est planté convenablement pour de la spunta, pour la pomme de terre géante, pour avoir des frites d'excellente qualité. Ciao, ciao les copains!